Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du livre de Agatha Raisin, La Kermesse Fatale. Donc je l'ai fini hier soir, il était aussi bien que les autres. Je pense que c'est une très bonne collection et tout. Donc en fait, il y a une kermesse à Carsley qui se fait et Agatha en fait elle décide d'y participer. Et elle va vendre il va y avoir des pots de confiture qui vont être vendus, tout ça. Et en fait, dans ces pots de confiture, il y a du LSD. Et il y a il y a des gens qu'on achète. Et en fait, là, il y a une dame, Trixie. C'est elle qui a mis le LSD dans les confitures. Et elle a commencé à avoir des... En fait, Agatha a commencé à avoir des soupçons sur cette personne. Et en fait... bien avant, il va y avoir un mort, plusieurs même, et du coup, Agatha elle va être accusée, enfin bref. Et en fait, elle va enquêter, il y a Roy qui va intervenir comme tout le temps, et elle va faire avec les gens de sa... Parce qu'en fait, Agatha elle a monté son entreprise, donc elle va voir avec ces gens-là, et elles vont faire. Et en fait, ils vont s'apercevoir... c'est une fille qui est vengée qui veut se venger et qui a empoisonné une confiture et que voilà. Et en fait, à un moment donné, elle va se retrouver où il va y avoir son ex, James Lacey, qui va l'appeler, qui va dire oui, coucou, Agatha et tout, comment ça va et tout. Et en fait, il va lui demander de venir à son mariage à lui, comme il se marie pas avec Agatha, il se marie avec une autre. Donc Agatha, elle qui est un peu jalouse et tout, elle fait un peu la gueule, elle a pas trop envie d'y aller. Mais du coup, elle va y aller quand même. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.